Mariano fouille les décombres à la recherche de ses voisins portés disparus. L'odeur pestilentielle ne laisse aucun doute. Un corps humain est coincé sous ses débris. A gente toma aqui, né, solitário, né, porque eu tenho muitos amigos aqui. Parentes não, mas amigos sim. Muitos estão desaparecidos. Finalement, ce ne sera qu'une carcasse d'animal. Désemparé, Mariano continuera ses recherches. Ce genre de scène est devenu banal dans les faubourgs de Teresópolis. Totalement submergé par la boue, le quartier de Campo Grande est presque désert. Il ne reste que des ruines et peu d'espoir de retrouver des survivants. Seule silhouette visible, celle des pelleteuses qui tentent de remodeler le paysage. Celles aussi des secouristes à la recherche des victimes. Plus on avance dans le village, plus l'odeur de la mort devient intense. Il faut près de 2 heures de marche pour rejoindre les points les plus reculés. Dans cette zone jusqu'alors inaccessible, la police rapatrie les 3 corps découverts il y a quelques minutes par les militaires. Tem uma expressão que reflete muito bem isso que está aqui. Foi um tsunami que passou na serra. Impressionante, cara. Os dias mais corpos devem aparecer, os cães farejadores devem encontrar mais alguns. Agora, infelizmente, tem muita gente aí que talvez nunca apareça mais. Les secouristes transfèrent les 3 corps vers la morgue de Teresópolis pour tenter de les identifier. Ils estiment que plusieurs centaines de morts sont encore ensevelis sous la boue. Ces hommes et ces femmes passeront les 3 prochains mois à rechercher les victimes de la plus grande catastrophe naturelle jamais vécue au Brésil.